On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau KS qui vient d'arriver, The Few Uncursed, basé sur une BD dont, que je ne connais absolument pas. Donc, based on the comic books by Felipe Cagno et Fabiano Neves. Un jeu qui se joue de 1 à 4 pour 13 ans et plus, 90 minutes, on n'y croit pas tout le temps. Rock Manor Games et Mike Nade, créateur de Maximum Apocalypse, qui est bien apprécié de tout le monde. Moi, j'ai rendu mon exemplaire parce que j'y jouais pas assez. Mais un jeu super sympa, super bien fait. Et donc, un autre jeu, The Few Uncursed. Donc, j'espère seulement que le mode solo, il sera aussi bien que le mode multi. Parce que je jouerai sûrement plus en solo qu'en multi. À voir. Donc, on ouvre cette boîte principale tout de suite. Avec une petite illustration. Alors, pourquoi j'ai pledgé? Je pense que c'est la patte graphique que j'ai bien aimée. La confiance en l'auteur aussi. La promesse d'une petite aventure sympa. Les graphismes sont toujours plutôt top. J'aime bien cette patte graphique aussi. Je sais pas s'ils sont complètement pris de la BD ou pas. Ou retravaillés. Parce que je ne connais pas la BD. Donc là, on est sur le livre de règles. Le rulebook. Et puis, j'adore. J'adore le style. Alors, on a des upgrade cards, des artefacts, des character cards. On se retrouve en milieu connu maintenant quand on fait des jeux. À savoir que, bah, on va retrouver souvent la même typologie de cartes, mais étonnamment, ils arrivent toujours à trouver des idées sympas. Donc, on a un grand plateau. On va déplier tout de suite. Des personnages. Je vais regarder tout de suite s'il y a une règle spéciale solo ou si c'est reprend exactement le même style de jeu. Ça doit être une course pour trouver, pour faire quelque chose, donc j'imagine que c'est pas co-op, mais que ça peut se jouer en solo. Je crois pas que ce soit co-op. Voilà, chacun doit chercher à se faire un nom. Et il faut avoir le plus de renommée possible. En tant que chasseur de malédiction. C'est amusant comme thème aussi. Et le jeu s'arrête en multijoueur, en tout cas, quand il y a trois monstres qui sont battus. Que tous les artefacts sur le plateau sont découverts. Et si un monstre qui rentre et qui détruit San Andreas, donc il faut y arriver avant. Et à la fin, celui qui a le plus de renommée gagne la partie. Donc c'est quand même du compétitif à la base. J'espère que le solo est intéressant. Mais c'est pareil, c'est un KS aussi où le matériel fait envie, les illustrations font envie. Alors, les tokens sont, semble-t-il, basiques, mais finalement peut-être mieux que Maximum Apocalypse, si je me souviens bien. Il se dépunche bien, le test de dépunch est passé. Hop, ça passe tout seul. Le plateau me paraît assez... Ouh, il me paraît grand le plateau. D'ailleurs, c'est surtout le plateau, la boîte de jeu. Donc, on a un plateau assez énorme. Oh, ok, recto verso. Je sais pas si ça a un intérêt ludique ou si c'est seulement graphique. Mais il me paraît en mode nuit. Oh là, c'est un plateau super long. Ah. Alors, comment on va s'arranger ça? On va tout mettre de côté. Donc le plateau, bim, on va dézoomer un petit peu. Et donc là, vous le voyez presque en entier. Ah, comme c'est pour une vidéo du jeu, ça va être sympa. Donc sympa, hein, c'est très très joli. Les cartes un petit peu basiques avec des petits points dessus, mais c'est bien, ça se repère facilement. Très sympa, très très sympa. On va avoir une carte mise sur une table, le flingue là sur le côté. Des petites affiches de recherche, les Most Wanted et les Wanted. Ici, des cartes de jeu style carte de poker. Bah, vraiment, vraiment sympa. Vraiment très sympa ce plateau. Alors, je dis sympa, je ne découvre pas, on le voyait en illustration sur le KS, mais c'est toujours quelque chose de différent de le voir en vrai. Et alors, et attention, parce que du coup, on n'avait pas tout vu. Attention, attention. Vous avez la version de nuit.
Sympa aussi, c'est sympa aussi. Alors, je crois que j'ai une préférence pour le côté jour, mais c'est sympa d'avoir un verso différent. Ça a le mérite d'exister, puis au moins ça fait un plateau qui est utilisé, quel que soit le côté. Je vais repasser du premier côté. J'aime bien le côté clair des plateaux de jeu quand même. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? Des cartes. Donc, il y en a pas mal de cartes. De. Oh là, il y a même des autocollants. Ça, les autocollants, j'ai peur, c'est des trucs à coller sur les pions. Donc, les cartes, une fois ouvertes, vous retrouvez. Superbes illustrations façon BD. Donc, c'est un jeu qui ressemble à un jeu de deck building, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont les mêmes. Qui ont les mêmes illustrations, qui ont les mêmes noms aussi. Et qui ont les mêmes dos. Donc ça aide pour le deck building. Apparemment, il y a des cartes qui sont attribuées comme au personnage. Ah, je sais pas finalement si c'est le deck building ou pas. Mais c'est très sympa. Très très sympa en illustration. Évidemment, je sais pas ce que font les cartes, on va regarder en même temps. Alors, on a des job cards, des upgrade cards. Pas facile de les retrouver toutes. J'ai pensé au deck building parce qu'on a des cartes comme ça génériques, avec sprint, uppercut. Et différents trucs qu'on pourrait associer à un deck building, mais je vois pas d'achat, si peut-être ça. Non, non plus. Non, je sais pas en fait. Je ne sais pas, je ne connais pas la mécanique. C'est la surprise. Mais vous voyez que les toujours dans des illustrations très BD, très sympa. Et vous avez une pléthore de cartes, hein, vous avez des cartes objets ici. Un boomerang. Book of Tena, Eldorado. Alors sûrement des références à la BD que je connais pas. Bon après ça peut aider aussi à découvrir des BD parfois, ou des livres, ou des romans. Comme j'avais fait avec The Recorners. C'était bien sympa. Voilà, ici on a plusieurs cartes qui sont associées à un personnage. Alors, à moins que ce soit les cartes de départ, je ne sais pas. Puisque vous avez effectivement des personnages. Alors, vous avez en plus des cartes. Vous avez des cartes plus petites aussi. On a des grands formats, on a des plus petites cartes. D'équipement, visiblement. Ça, c'est l'équipement. Et ici les jobs. Farmhand, post office. Donc à voir comment ça s'articule tout ça. Et vous avez les plateaux joueurs. Donc ici il y en a 4 qui commencent déjà un petit peu tordus par contre. Comme tous les doubles plateaux. J'en ai rarement vu qui n'étaient pas de tordus. Donc avec des compteurs de points de vie, de munitions. Ça je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais pas si c'est assez d'argent de départ ou de l'eau. Peut-être que c'est l'eau, la monnaie du jeu en fait. Parce qu'on a un symbole de flotte et un dollar. Donc c'est la monnaie du jeu, ça va être l'eau. Plus on a d'eau, plus on peut acheter de choses. Ici, on va pouvoir mettre la carte personnage. Dommage le verso blanc. Ça peut être un peu illustré aussi. Donc 4 plateaux personnages. Et enfin, pour la boîte de base, on se retrouve avec les petits tokens sur lesquels on va coller les autocollants, je pense. Des couleurs pour les figurines. Des petits cubes pour suivre les différents marqueurs sur les plateaux. Et enfin, des figurines. Donc les figurines. Il y en a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que valent des figurines? Elles sont toutes blanches, donc le détail, ça va pas se voir beaucoup. Ouais. Je vais aller voir ce que c'est, ça. Ici, ouais, ça va, elles sont correctes. Pour un jeu de plateau, c'est plutôt correct. Je sais pas si c'est super détaillé, mais bon. Ça fait, on voit la posture, on voit le personnage. Ah, le blanc est pas à voir les détails, c'est sûr. Calamity Jane.
Ils ont tout un peu une même posture, tous chapeaux. Il n'y a pas trop de variété. Bon, ça, c'est Redhead, j'imagine. La figurine la plus cool. Et enfin, nous avons ça, une sorte de harpie. Ou un lézard avec des ailes. Celui-là, qui est bien sympa aussi. Pas trop de détails, hein. C'est pas trop de détails sur les figurines quand même. Juste ce qu'il faut, je pense. Et la plus grosse, une sorte de gros serpent. Donc voilà ce que contient la boîte de base de Few Uncursed. Donc oui, effectivement, c'est de l'eau. Il y a des jetons d'eau, je le vois ici. Un marqueur premier joueur. Je sais pas si je l'ai vu, le marqueur premier joueur, d'ailleurs. Ah si, il est sur la planche. Mais il n'y a pas trop de tokens, ça va, il n'y a pas trop de jetons. C'est pas mal aussi. Au niveau setup et rangement, ça va plus vite. Donc les cartes personnages, elles sont faites comme ça. Donc il y a... je sais pas du tout comment elles vont fonctionner. Des cartes de rencontre. Les primes. Parce qu'on va être les chasseurs de... Bon, à voir. Impatient de savoir comment ça se joue. Et évidemment, c'est un caisse, donc j'ai pas que ça. J'ai aussi la boîte, la Deluxe Expansion, donc je sais pas ce qu'elle contient. Qu'est-ce qu'elle contient? Des tokens en plus. Ah, ok, il y a les jetons qui sont en bois, un pion premier joueur en métal, des cartes promo. 31 cartes. Ah, il y a 31 cartes. Ou 3 cartes. Pour Redhead Promo Deck. Une figurine Redhead en plus. Ah oui, il y a plus de figurines. Et il y a une extension 5-6 joueurs. Ok, et une extension Fallen Immortal. Avec des figurines en plus. Ah oui, c'est carrément des groupes. Il y avait un groupe. Ah, la peinte, ça doit être chiant. Un groupe avec 3 bonhommes dessus. Enfin, une figurine avec 3 bonhommes. Sympa, hein? C'est sympa. Donc la Redhead supplémentaire, je suppose. Je préfère la première, je crois. Ah oui, donc toutes celles sont toutes comme ça. Ah non, il y en a une autre encore. Ah non, voilà, Redhead. C'est pas la même? Ah mais c'est exactement la même figurine. Et ça sert à quoi de faire deux fois la même figurine? Ouais, ok. Je vois pas trop l'intérêt du truc. Peut-être qu'il y en a un. Ok. Vous avez un fermier. Et ben, les autres groupes, pareil. On en a quatre comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les fameux tokens d'eau en bois. Bon, c'est toujours sympa. Parfois c'est plus sympa à manipuler que les pions en carton. Parfois c'est l'inverse. Une pièce premier joueur, mais qui est super petite, je pense, par rapport au marqueur. Dommage, je ne l'ai pas fait plus gros, mais sympa. C'est vraiment une petite pièce, mais très sympa. Voilà pour le marqueur premier joueur. Donc on a aussi... Ah, les jerrycans d'eau. Ils sont bien foutus. Et ah, des galons carrément. Donc les différentes unités à utiliser. Des marqueurs supplémentaires donc pour le 5e et 6e joueur. Pour le 5e et 6e joueur. Et des cartes supplémentaires donc avec. Ah! Ah, mais c'est des. Ah oui, en fait, c'est des promos. Ouais, du coup, je l'ai plus. Ça, c'est des promos pour Maximum Apocalypse. Ah oui, j'ai vu que c'est pour Maximum Apocalypse. Ah, ça y est, je pense pas que c'est ça. Et ça ressemble à... Ou à quel jeu? Set a Watch.
Une carte promo pour cette watch. Oh, c'est rigolo. Je sais pas si je pourrais le paquet. Je pense pas qu'il y ait que ça. Et cette watch, est-ce que je l'ai pas vendue? Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Ah si, non, je l'ai pas vendue. J'ai failli le vendre, mais finalement, je l'ai toujours. Donc ça, c'est pour cette watch. Je reconnais les cartes. Carte promo. Ici, vous avez Gunslinger pour Maximum Apocalypse. Et là, c'est pour le jeu Few and Cursed. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et là, c'est pour les trois, les quatre. Tout ça, c'est pour cette watch avec des nouveaux monstres. Ah, cool. Et donc, vous avez peut-être un nouveau personnage. Ça, c'est les cartes personnages qu'on va mettre sur les plateaux. Bon, il n'y a pas de nouveau plateau, par contre. Ah, si, bah, si, si. Il y a bien les nouveaux plateaux pour les nouveaux personnages. Alors, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, si, il y a deux modes différents en fait. On a un mode zombie ou on a un mode le recto, le verso. Et la carte vient se mettre ici sur le plateau de jeu. Ok, donc deux personnages en plus, deux boards en plus. Normal, donc ça c'est les cartes personnages. Donc les cartes personnages, vous les avez ici: Alistair, Ziamado, Redhead, Jebediah et Mécénas. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, ils ont tous une forme différente en. Il y a un mode énervé apparemment. Qui me paraît très logique si je connaissais la BD. Donc voilà, bah c'est pas mal. En termes de qualité de matériel, les cartes, elles sont plutôt chouettes. Un peu plastifiées, c'est pas. Mais elles ont l'air bien. C'est pas besoin de styver, je pense. À voir sur le bord comment ça s'use. Il y a de la bonne qualité, comme d'habitude, je dirais, avec l'éditeur. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment il se joue. Donc, je ferai sûrement une présentation une fois que j'aurai fait une partie. Si toutefois le jeu a su me séduire. Et on reviendra comme ça en détail sur les différentes cartes. Qui reprennent vraiment tout un style, ça j'aime bien ça, bien un style BD. À chaque fois, on a l'impression de voir une case de BD, c'est bien sympa. On dirait un personnage sorti des Hoko, ça aussi, c'est sympa. Donc, effectivement, il y a des cartes qui sont liées au personnage. Il y a chaque personnage à son deck. Donc, on reprend un peu le principe. Donc, c'est peut-être pas du deck building finalement. On reprend le principe de Maximum Apocalypse où chaque personnage a un deck. Et ici, je sais pas ce que c'est celle-là. Des events ou des missions. Bref, beaucoup de choses à découvrir dans le jeu. Ça, c'était à côté matériel et surprise et découverte des boîtes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était donc l'unboxing de The Few Uncursed, un jeu par le créateur de Maximum Apocalypse. Et du coup, je sais pas si c'est lui qui a fait cette watch, mais peut-être. Donc du coup, un super auteur. Ciao, ciao!